Alors, dans cette vidéo, on va voir orthographe, leçon 1 et ses différentes graphies. Nous sommes dans l'arbre à outils. Préparez-vous, page 61. Bonjour les élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Moi aussi. Alors aujourd'hui, on va voir l'orthographe. Alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre aux mots. C'est pour la classe de CO1. Deuxième année primaire, alors cette fois c'est vraiment très facile, c'est l'orthographe, on va comprendre leçon 1 et ses différentes graphies. Allons-y, page 61. Alors prenez s'il vous plaît, comme d'habitude, votre livre préféré, page 61. On va voir orthographe, leçon 1 et ses différentes graphies. On va commencer d'abord par j'observe et je découvre. On dit le mendiant, tient, tient, dans sa main, main, sa casquette, ce matin, matin, il a rempli avec plein, plein de pièces de 20, 20 centimes. Et la faim, faim, il va pouvoir manger un bout de pain, pain. Regardons s'il vous plaît, il y a plusieurs façons d'écrire leçon 1. Regardez bien s'il vous plaît mes chers élèves de CM1. Tout ça c'est leçon 1. Mais regardons s'il vous plaît, ouh là là, c'est différente graphie. C'est trop difficile pour la dictée. Alors qu'est-ce qu'on dit? Complète le tableau ci-dessus. Complète le tableau ci-dessus. Avec les mots suivants. Alors, il y a ce qu'on appelle une timbale. Normalement, c'est ici. Le chien. Normalement, c'est ici. La peinture. Ici. Teindre. Ici. Impossible. Un insecte. Il vient. Châtain. Alors je recommence. Une timbale. Timbale. Le chien. Chien. La peinture. La peinture, c'est ici. Teindre, c'est ici aussi. Impossible. Un insecte. Il vient, châtain. On a aussi le mendiant tient dans sa main. Ce matin, plein, vin. Fin. Pain. Alors, quelles sont toutes les façons d'écrire leçon 1? Tout ça. Mais c'est trop difficile pour la dictée. Désormais, mes chers élèves de CM1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous entraîner à la dictée. Par exemple, ces mots. Vous allez tout simplement vous entraîner à la dictée. Et aussi ce texte. D'accord? Alors, quelqu'un, par exemple, vous dicte le texte ou les mots. Je suis sûr et certain, après, vous aurez de bonnes notes à la dictée. Surtout la leçon de leçon 1 et ses différentes graphies. Parce que c'est trop difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous aimez bien sûr le français, et si vous aimez vous améliorer à la dictée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous entraîner à la dictée de cette façon. Avec des mots, avec des phrases, avec ce texte. Allons-y, on va voir, je m'entraîne, je m'entraîne. Retrouve le mot intrus de chaque liste. Vous connaissez ça veut dire le mot
Intrus, ça veut dire le mot étrange, qui ne ressemble pas à voir comme les autres. On a le train. L'orthographe, c'est aussi vous aide à faire une bonne lecture. Le train, lointain, grain. Mais ici, elle traîne. Le train traîne les wagons. Traîne. Normalement, je n'ai pas le son 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le mot intrus. Il peigne, il peint, il teint, plein. Qu'est-ce qu'on dit? Il peigne, il peigne. Peiné, il peigne. Ici, non, il peint. Tu vois? Il teint, plein. Alors, il peigne, c'est le mot intrus. Ancien, le mien, rien, le Rhin. Alors je vois ici le Rhin. Le Rhin, c'est le mot intrus. Le cousin, le jardin, le sapin, la cousine. Le cousin, oui, mais la cousine. Alors c'est ce qu'on appelle le mot intrus aussi. Parce que la prononciation, c'est tout à fait différente aux autres. Le cousin, le jardin, le sapin, la cousine. Vous voyez? Ancien, le mien, rien, le Rhin. Il peint, il teint, plein, il peigne. Le train, lointain, grain, il traîne. Alors normalement, on dit écrit le nom représenté par le dessin. Alors la main, le sapin, un timbre, un indien. Un indien, le sapin, c'est pour fêter le Noël. La main, un timbre. Encore bien sûr au dos de l'enveloppe. Un timbre. Recopie les mots dans lesquels tu entends un. C'est la troisième activité pour aujourd'hui. Vous allez tout simplement recopier les mots dans lesquels vous entendez le son A. Comme l'exemple de le frein. Un pépin. Le terrain. Un porton. La peinture. Le chemin. Le gardien. La voisine, non. Il entraîne, non. Il freine, non. Alors pour la voisine, c'est faux. On ne doit pas recopier le son, hein, puisque on n'entend pas. C'est la même chose pour il freine, il entraîne. Voilà. Devinette. La trouve, vous pouvez recopier la phrase en ajoutant le mot contenant le son 1. Le poisson de mer que tout le monde craint, c'est le requin. Le poisson de mer que tout le monde craint, c'est le requin. Requin. Alors vous cherchez comment ça s'écrit requin. Elle est faite de cuir. Il tient mon pantalon. C'est une ceinture. Ceinture. Une ceinture. Elle est faite de cuir. Il tient mon pantalon. C'est une ceinture. Je suis un animal domestique, très fidèle. Je suis un chien. Un chien. Je suis le petit du cheval. Et de la jument, je suis un poulain, un poulain. Un poulain, c'est le petit cheval. Un chien, c'est une ceinture, le requin. D'accord? Toujours avec le thème de la solidarité. C'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves de CE1. Je suis sûr, vous. Je suis sûr et certain que vous aimez ces vidéos. Partagez ensemble,
pour que tout le monde comprenne la cette leçon, leçon 1 et ses différentes graphies. N'oublie pas mon conseil. Il faut tout simplement vous entraîner, d'accord, à la dictée. Parce que c'est vraiment difficile de tout mémoriser. Mais il suffit tout simplement de faire des entraînements chaque fois, surtout les leçons d'orthographe, pour que vous soyez meilleur à la dictée, c'est ça. Alors, au revoir à la prochaine vidéo. Ce sera donc des activités. Cahier d'activités, leçon 1, encore fois, des activités. Alors, rendez-vous donc dans quelques instants. On va voir une autre vidéo. On va faire une autre vidéo des activités du son 1. Je manipule le son 1, ses différentes graphies d'orthographe. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir.